Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom de l'épisode 2 Starband V5 Please the Giraffe, chers amis. Donc, on met peut-être un petit drapeau avec un petit coup de chaise dedans, non je rigole. Ça commence très très bien cette planète, on est déjà dans la mouise. Connaissez-vous la parole de la chaise? Boum. Est-ce que c'est le one shot? Telle est la question. Non. Non, ça faisait... Non. Par contre, ça les projette à une distance. Hop. Remarque, c'est efficace, hein. Hop, boum, le coup de chaise. Il y a une installation là. Cool. Cool. Ça me plaît. Ça me plaît énormément. Permettez que je rentre, que je fouille, que je prenne tout ce qui m'intéresse. Les deux diamants par exemple, la richesse de tout ce royaume. Oula. Pas le hockey. S'il vous plaît, pas le hockey. Je crois que je l'ai pas trop eu en vidéo jusque là, donc ça va. Oh, je croyais que ça allait casser avant. Dommage. Hop, tu pourras pas passer. Quel dommage. On va commencer à creuser directement, on va pas s'embêter. Si c'est pour se taper le fameux vent à la con là pendant toute la durée de la planète, c'est pas la peine. C'est en dessous, non? Ouais, c'est ça, c'est en dessous. J'aurais dû m'en douter. Hop. Tout ça pour ça. Un coffre. Rien d'extrêmement intéressant dedans. Tu me saoules. Sale bête. 7 XL, c'est tant mieux. Tant mieux. Ils nous la donnent quasi gratuitement comme ça, ça me dérange pas, moi personnellement. Hein. Alors. Coffre, il est en dessous. Hop. Oh bah tiens, un boomerang. On en parlait dans les précédents épisodes, un boomerang. Donc on va remonter sur le vaisseau, on va aller voir donc le Lunarang, si je me trompe pas. On va aller voir à quoi ça correspond. On va quand même prendre un boomerang avant. On avait quand même avant, on avait quand même d'autres. Tant mieux. On va aller voir ce qu'il nous faut pour faire ce Lunarang. Hop, merci. Crac. Je suis tellement belle avec ma couronne. Alors, le Lunarang, c'est bien ça. Un boomerang du Phase Matter. Je crois qu'on en a pas des masses. Catastrophe. Alors, on va aller voir. C'est un des seuls qu'on n'a pas en grande quantité, je crois. 8. On en a 8 quand même, c'est pas rien. Je vais juste aller faire un tour. On va aller voir quand même là, chers amis, bookmarks. Phase Matter, d'accord, ok, parfait. On peut en trouver. Donc on va se déplacer sur cette planète qu'on connaît déjà très très bien. Ensuite on va aller à l'outpost. À l'outpost on va aller chercher un téléporteur pour le mettre directement sur la planète. Qu'on puisse se téléporter du vaisseau sans avoir à y aller comme ça. Ça a été un peu stupide de ma part de le faire. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée ce téléporteur. Vu tout ce qu'il y a à farmer sur cette zone, c'est une excellente idée. Bon, ça nous fait déjà au moins un objet de Lunarang à faire. Enfin, un objet de boomerang, pardon, à réaliser. On n'en avait pas des masses avant. Même si je soupçonne ce Giant Worm d'être un truc de Lunarang. Enfin, de boomerang, pardon. Je vais y arriver. Hop, le coup de poing taser. Tout est dans le poignet, chers amis. Est-ce qu'on peut aller à l'outpost, s'il te plaît? Est-ce que j'ai un... Oui, j'en ai. Parfait. Je dois avoir la quantité de pixels qu'il faut. Normalement, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ok, outpost. On va acheter un de ces téléporteurs. On en a véritablement besoin, pour une fois. En espérant qu'ils ne peuvent pas être détruits. De mémoire, non. On prend lequel? Celui en bois pour rigoler, hop. Oula, on l'a oublié sur place, cela dit, c'était pas une bonne chose.
On va virer ces petites lanternes, voilà. Hop. Beam to ship. Et sur le ship, on redescend. Crac, on redescend. Et normalement, on est bon. Cela dit, je ne me rappelle plus du tout les distances sur les côtés. Hop. Crac. Hop. Multi-farm, j'irai... Je sais plus. Multi-farm. On va mettre ça comme ça. Ok, on est parti. Et ils vendent, enfin, eux, ils donnent des 7 XLs. Raté. Hop, merci d'être passé. Ça en fait déjà 2. Dommage, il s'est arrêté en plein vol. Ok. Ça se passe pas trop mal. Nous, c'est des phases manipulateurs. Enfin, des trucs phase qu'il nous faut. Je rêve ou c'était pas là avant ça? Me dis pas que ça m'a téléporté. Ah, bah non, normalement non. Hop, merci d'être passé. Hop, ça touche. Hop, ça touche. Parfait. Hop, ça touche. Ah, un peu trop haut. Hop, merci d'être passé aussi. On trouve une chier de static cells, c'est incroyable. C'est du phase matter, c'est ça. Hein. Je vais quand même aller vérifier sur Starbounder, chers amis. Hop. Merci la chaise de bureau. Crac. Ok. Oui, d'accord. Je me fais attaquer apparemment, génial. Hop. J'adore cette chaise. Ok, ok, ok. Donc c'est sur les petits machins qui volent justement qu'on va en trouver. Ça tombe bien, il est en quantité assez intéressante malgré qu'on ne trouve pas encore. Hop, encore une. Allez, meurs. Merci. Crac. On a fait faire un combo x3. Hop les. Le pigeon qui s'est envolé au dernier moment. Par contre il a eu chaud au cul. Voilà. Crac. Barrette de rame. Raté. Vise Marcus, vise, ça sert à rien de faire du gâchis. Ok. Crac, rien donné non plus. Lui non plus. Ça c'est vide donc c'est bien un endroit qu'on a bien visité, c'est bon. On est bien au bon endroit. Hop, merci d'être passé. Crac, rien non plus dans celui-là. Ça, ça fait mal par contre, faut pas se tromper. Ah, si seulement ça pouvait être de la santé à bas prix. Des pixels, bon, c'est pas plus mal. 90 pixels, c'est pas faramineux non plus, hein. Crac. Rien donné. Ah, sur ces trucs-là, normalement, on est censé en trouver, hein, sur les machins qui volent, là. Hop. Et jusque-là, on n'a pas été hyper chanceux. Je l'ai raté. Je l'ai encore raté, dommage. Ah, il y en a un en dessous, mais il me verra jamais. Ah, mais merde. Il me verra jamais. Bon, tant pis pour lui. Y'a pas un truc genre il faut s'arrêter à cette maison là ou quoi? Tiens. Qui es-tu, l'ami?
D'accord, oui, effectivement, c'est ça. Il fallait s'arrêter à cette maison-là, justement. Aïe. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Parfait. On n'a pas trouvé un seul sur un... une ligne droite. Sur une longueur. C'est vraiment dommage. Pourtant, les monstres sont là en quantité. C'est juste qu'on n'a pas de chance au drop. L'avantage, c'est qu'on farme plein d'autres trucs au passage. Je sais pas si c'est un avantage ou pas. Est-ce qu'il y a un count vis-à-vis du nombre d'objets comme ça qu'on trouve? Hop, je pense pas. Quand je vois le nombre qu'on distribue à côté. Je crois que je l'ai touché en plus. Non? Apparemment non. Dommage. J'étais fier de moi l'espace d'un instant. L'espace d'un instant, j'étais très heureux. Faut pas grand chose, vous voyez, hein. Des fois. Oh, bonjour. Ah, ça y est. Crac. Mais merde, il donne rien, cela dit, en plus. Hop, merci d'être passé. Oh, ça aurait été tellement beau s'il était retombé sur la tronche, celle-là. Attends. Ah, dommage. Non, trop tard. Attendez. Ah, dommage, elle t'est calculée celle-là pourtant. Ça va jouer, on va y arriver. Boum! Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau, chers amis. Yo, l'ami. Tu m'as pas vu? Moi, je t'ai vu pourtant. Allez, oh, mais merde. Voilà, ah, une, ça nous en fait 9. Waouh, il nous en faut encore 6. Y'a plus rien par contre par là, j'ai l'impression. Il y en a un là. Hop. Ah, attendez. Il m'a vu, c'est bon. C'est bon, il m'a vu. Il m'avait vu plutôt. Soyons honnêtes, il est un peu décédé. Hop, eux aussi d'ailleurs. Touché! Crac. Il y a des pixels dans le coin. Hop. Je vois plus de ces saloperies volantes par contre. Je sens que je vais crever prochainement, donc on va soigner un petit coup. Ça y est. Hop, merci d'être passé. Crac. On trouve pas. Hop, tu t'es passé à la casserole. Crac, t'es quoi toi? Il m'a donné quelque chose, non, j'imagine. Qu'est-ce que tu donnes? Ah, quel dommage. Par contre, on n'est plus du tout dans le même biome, donc là, c'est pas bon. On n'est pas bon, chers amis. Hop, oui, là, je la merde, en tout cas. Aïe. Il va nous arriver un truc du même genre une fois, et on va pas s'en remettre. Manquerait plus que ça. Le corbeau, voilà. S'il y a un oiseau que j'aime pas... Non, il y a deux oiseaux que j'aime pas. Le corbeau et le vautour. Deux charognes. Deux charognards. Si ça, c'est pas bizarre. Et pour avoir eu un vautour au-dessus de ma gueule, chers amis, je peux vous dire que c'est pas drôle. C'est vraiment un oiseau qui n'inspire pas la confiance. Hein.
Allez, meurs. Et putain. Je lui aurais taillé son ombre sur le sol, que ça l'aurait pas dérangé, quoi. Hop, merci. Aïe. On va éviter le décès, s'il vous plaît, merci. Envole-toi tant que tu le peux encore. Ah, c'est pas ce que je voulais, dommage. Dommage, dommage. C'est véritablement pas ce que je voulais comme, objet qui tombe. Déjà qu'il tombe pas souvent des trucs. Bon, moi j'aurais eu la barrette de rame à côté. Hop. Si j'avais sauté, tiré avant de sauter, c'était bon. Hop. Crac. Alors. Il n'y a plus. Aurais-je nettoyé le ciel de leur présence? Ça aurait été magnifique. Oh, un petit hélicoptère aussi, ça peut être sympa, ça, comme, comme truc pour farmer comme tech. Ou comme véhicule, simplement. Même maintenant, on a des véhicules pour de vrai. Un hélicoptère, ce serait stylé. Ou ne serait-ce que la soucoupe du boss. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Crac. Barrette de rame. Crac. On trouve pas grand chose. Désolé. Pour le dérangement. Alors on en a combien, juste pour voir. On est bien à 9, hein, je me trompe pas. 9 tout juste. Et on avance pratiquement pas. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'on s'y prend mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que... Honnêtement, je pense pas qu'on s'y prend... Ah bah attendez. Hop. Dommage. Crac, rien du tout. Pas de chance. Ah, attendez, il y en a un autre. Crac, rien du tout. Hop. Joli tir, Marcus. Rien en hauteur. Vraiment rien. Hein. Crac, rien non plus sur celui-là, pardon. C'est vraiment dommage qu'on tombe pas plus souvent. Sur ces objets. Ok. Oh là là, j'en ai buté 3 et il n'y en a pas un seul qui a tombé. Allez, 4. Rien. Ah oui, d'accord, ils ont 5% de chance de tomber dessus. 5%. Je viens de tourner la tête pour aller voir le taux de drop, ils ont 5% de chance. Autrement dit, encore moins que eux avec les 7 XL. C'est pour ça qu'on en chie. D'accord. C'est vraiment un composant très très rare. Why not? Why not, why not? C'est un peu dommage, mais why not? Ouais, j'en avais vu en l'air tout à l'heure. Apparemment, je l'ai loupé. Hop, touché, touché. Bon, je pense qu'une fois qu'on atterrit sur ce truc-là, on peut remonter. Quoi qu'on a revu, ou pas le, comment, le téléporteur? Non, je crois qu'il est juste là, en fait. Non, même pas. Alors ça, par contre, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment con, ce qu'on vient de faire. Non, rien du tout. J'espère qu'il y avait rien. Parce que s'il nous l'a lâché dans le truc, on est baisé. C'est vraiment dommage. Oh, ça transperce le, comment, le tatou. Et ça vient péter dans le renard. Si c'est pas joli. Hop. Oh mais merde. C'est pas des feux d'artifice que je lance. Oh, c'est pas le bon, dommage. Alors on a tant de chance de tomber là-dessus que sur l'autre. Pour préciser, chers amis, quand même.
Il y a autant de chances de tomber un Scorched Core qu'un... Hop, maintenant qu'on est retombé là-dessus, je peux repartir. Qu'un qu'un Phase Matter. C'est vous dire. C'est vous dire à quel point c'est rare. Hop. Je l'ai raté, c'est ma faute. Mais non, il m'a suivi loin, lui. Il m'a fait hyper mal aussi, d'ailleurs. Ou alors c'est ma chute qui m'a fait prendre des dégâts, peut-être. Bon. Ok. C'est fait. Niveau 7XL, on va être bon, par contre. Hein. Faut pas se voiler la face. De ce côté-là, on est plutôt, plutôt bien équipé. Hein. Je l'ai vu. Est-ce qu'il va venir jusque là? Oui. Rien du tout. Quel dommage. Oui, il en a lâché un. Génial. Crac. J'ai sauvé la vie au tatou. Ah, je l'ai raté celui-là. Ça nous en fait 10 plus que 5, chers amis. Oh bah dis donc. Ce farm intensif. Crac. Ah, plus que 4. Un deuxième. Ça y est, il se décide à en donner. La chance tourne. La chance tourne. Allez, meurs. Parfait. Parfait, parfait. Crac. Par là. Merci. Il n'y en a plus ici, cela dit. Ah, j'en ai vu un très très haut. Aïe. Il était intéressé apparemment, mais il n'a rien donné. Crac. Wouah, je vis des insectes avec. Parce que je suis trop balèze. Hop, t'es mort. Crac, je l'ai raté, génial. Plus gros que ça, tu meurs, de toute façon. Crac. Bon alors. Je l'ai raté, cet insecte, t'es violent. Ok. Ah, j'ai bien envie de faire demi-tour, parce que je pense qu'on va pas tarder à arriver, voilà, en bas. Ce qui veut dire qu'en haut, on a la ville, j'allais dire. Oui, la ville, presque, hein. Et le soleil se lève, ce qui n'est pas forcément une bonne chose vu qu'on les voyait bien dans le noir, vu qu'ils sont allumés. Hop, merci d'être passé. J'ai vu ton cousin par là. Merci. Je l'ai raté. Je l'ai raté aussi. Mais merde! Tellement de gaspillage de lance. Dommage qu'elle ne persiste pas au sol, pardon. Ou qu'on puisse les récupérer à la manière un petit peu des sagas de Far Cry. Peut-être que ça arrivera avec la 1.0 aussi, ça. Il y a plein de choses qui vont arriver avec la 1.0. Plein de petits détails comme ça dans le jeu. On a toujours été habitué à ce que les développeurs nous fournissent plein de détails. Toujours de nouveaux trucs qui sont juste des simples petits détails mais qui changent beaucoup le jeu à chaque fois. Donc j'y crois, chers amis. Honnêtement, j'y crois. Il y aura une super version 1.0. Ne vous inquiétez pas à ce sujet-là, le jeu sera épique. En plus, l'intégration à Steam a changé beaucoup de choses aussi. Que ce soit avec une boutique de mode, enfin, je sais plus comment vous appelez ça sur Steam. Le workshop, c'est ça, hein. Il me semble. Que ce soit avec le workshop ou la possibilité de jouer dans les parties des amis sans avoir à créer un serveur, en tout cas, en dehors du jeu. Ça va vraiment changer la donne. Ça va vraiment changer la donne. Je touche pas. Je touche. Oui, un de plus. Crac. Vous savez quoi? Je pense que quand on aura atteint le téléporteur, je crois que c'est là, non? Non, ça va. On va se laisser pour cet épisode de farm. Et on passera à un autre. Dans le prochain, vu que c'est un peu plus long que prévu. Donc écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein, en tout cas. Moi, ça fait toujours plaisir de faire cette série avec vous.
Vous inquiétez pas, il va y avoir des améliorations, des retours de certaines choses, par exemple les épisodes avec les joueurs, avec les viewers, pardon. Une fois qu'on aura donc la 1.0 et qu'on aura aussi bien forcément plus de facilité vis-à-vis du comment du de la possibilité de se rejoindre dans une partie, il y aura aussi une rediscussion du serveur. Est-ce que je vais racheter un serveur ou pas? Ça, je ne le sais pas encore, chers amis. Je ne le sais pas encore. Non, rien qui est tombé. En tout cas, on reverra ça ensemble le moment venu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Dans le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Hop, je finis ceux-là quand même. Il y en a encore un en haut. Putain, il y en a une chier d'un seul coup. Hop, et dans ton bas. Parfait. A tout de suite. Enfin, à plus.